Allez, go, on se fait un retour sur la machine à sous Captain Payback, jeu que j'avais testé il n'y a pas si longtemps que ça, donc. Jeu qui est relativement sympathique, enfin quand il veut. Allez, 37,50, on va essayer ça. On part avec un peu plus de 9005. Bon, ben, j'espère que le Captain Payback il va dégainer les 3 scatters et les jokers expansifs. Bien sûr, est peu courant sur ce genre de jeu. Oula, la miss, elle est l'amoureuse. Alors 127. Allez, joker expansif. Sinon, pas besoin de préciser que sur le long terme, bien sûr, le seul gagnant c'est le casino. Donc, de temps en temps, les joueurs y gagnent, mais bien sûr, il y a plus de perdants que de gagnants. Enfin, ça, je pense que tout le monde est au courant, mais je préfère quand même le préciser. Parce que si par exemple cette partie paye beaucoup, il y a des gens qui vont mater cette vidéo et qui vont dire tiens, bah, c'est facile de gagner. Ben non, c'est pas si facile que ça. C'est un gagnant égale plusieurs perdants. Alors, Captain Payback 165, 9006. Petit bénéfice par rapport à la balance de départ, mais ça va pas durer, j'imagine, très longtemps. Le Five of a Kind. $375. Ok, les Queens ça paye un peu mieux que les Jacks. Captain Payback. Alors, 90 balles, rien de plus malheureusement. Bon, j'aurais préféré bien sûr les 3 scatters, mais ceux-là, pour les avoir, c'est pas évident. Bon, le Captain Payback, j'espère que ça va pas être le mode Payback pour le casino. Bon, on va dégainer les spins à 50 balles, mais dans un petit moment, pas tout de suite. D'augmenter les mises, c'est pas mal. Quand ça paye plus, mais quand ça perd plus également, donc c'est un peu toujours en mode pile ou face. Alors, Free Games, 37,50, enfin bonus, bonus, bonus. Ouais, j'espère que ça va raquer. 5 free spin. Ouais, c'est vrai que sur ce jeu, il faut capturer tous les criminels, c'est pas évident. Alors, criminel numéro 1, Mister Robot. Voilà, à l'amende par Captain Payback. 22,50, peut mieux faire. Il n'a pas capturé le deuxième voleur. Super Wild. Ah là, il pêche les deux michetots, les deux radas là. Nickel and Dime, tu m'étonnes. À l'amande, le robot à l'amande. Des galinettes à l'amande. Le voleur à l'amande. Voilà, il nous en reste un à attraper, mais deux free games, ça va pas être évident. Alors, 322, pas énorme. Allez, capture le dernier. Non, malheureusement, c'est Mister Robot. Allez, dernier spin. Est-ce qu'il va le capturer ou pas? Voilà, c'est lui avec sa tête de bandit.
Eh ben non, malheureusement, on reste à 416. Ouais, Captain Payback, pas top niveau win pour des mises à 37,50. Ça dépasse le x10 par rapport à la win, mais rien d'extraordinaire. Et ouais, il a attrapé les 3 voleurs, mais il a pas attrapé le 4ème, donc... Bon, bien sûr, d'attraper les 4, ça arrive pas très souvent, c'est le jeu, il est programmé comme ça. Sort free game, je vais quand même attendre un petit peu avant de dégainer les mises à 50 balles. Ouais, sinon, à part les bonus et le triple wide expansif, ça pourrait être pas mal. Roule 2, 3 et 4. Le truc qui arrive une fois toutes les. Je ne sais combien de centaines ou de milliers de parties. Les chiffres 8. Cacahuète, fois 1 par rapport à la mise. Allez, c'est parti, on dégaine. Spin à 50. En espérant bien sûr ne pas se faire défoncer la balance, car c'est toujours une probabilité. Si je vais payer que dalle, ça va être vite réglé. Bon, ben là, les spins à 50 balles, ça dégaine sec. 20 spins perdants, c'est moins 1000, donc ça peut très vite déglinguer la balance. Alors, on va tenter un coup de Master Luck. Elle a un spin à 100. Alors, Master Bad Luck. Pas de bol. Bon, après les miracles, c'est pas tous les jours, surtout aux machines à sous. Allez, Master Lock version 2. Alors 130, ouais, petit bénéfice, mais pas énorme. Bon, à part ça, début de partie, c'était 9500 balles, donc là on se tape de la loose classique des machines à sous.
Alors ça déglingue la balance, donc peut-être pas tarder à rebaisser les mises. Bientôt à 6005, donc on va baisser les mises. Alors, Scatter, non, non plus. On va faire l'opération, je me calme un peu. Et ouais, le Captain Payback, il veut pas nous dégainer le triple wild. Triple wild, triple scatter, c'est pas gagné non plus. Double wild avec la miss. Ouais, ça devrait être pas trop mal, 450. Double wild, low symbol malheureusement. Alors, va-t-il y avoir un deuxième round de bonus free spin sur ce jeu? Là, on dirait que c'est mal barré. Sous 30, c'est ouais, c'est 25. Alors, double wild, low symbol malheureusement, mais five of a kind, ce qui nous fait 318. Du coup, le Captain Payback, il a fait opération Payback pour le casino, parce que là, quand même, on s'est bien fait déglinguer. Voilà, petit rappel, j'avais commencé à 9540 balles. Et ouais, it's Payback Time, tu m'étonnes. T'as gagné un peu trop au casino, donc là, c'est Payback Time, retour au casino.
Sans déconner, tu m'étonnes. Si les casinos faisaient que payer les joueurs, bah les casinos, ça n'existerait pas, ils auraient tous fermé. Et vu qu'ils sont ouverts, bah c'est que bah ils plument les joueurs, voilà. Enfin, pas tous, il y en a qui gagnent, mais sur une grande majorité, ils les plument en général. Alors, l'appel du chiffre 5. Ouais, bah à part ça, je crois que je vais me fixer une limite vers les 5000 balles, puis on n'ira pas plus bas. Là, je crois que l'opération deuxième round de bonus free spin, on est mal barré. Alors, double wild, dommage pour le rouleau 4 et 5. 476 quand même. Oula, triple wild, il nous l'a sorti sans déconner, dommage pour le rouleau 5, mais quand même. Alors, comment ça rack? Le triple wild, alors celui-là pour le dégainer, 1788. Dommage pour le rouleau 5, on n'est pas eu le mister. Ouais, comme quoi on peut pas tout avoir. Ben, il nous aura quand même dégainé un triple wild. Là, pour que le générateur de symbole aléatoire dégaine le triple wild, bonne chance que ça arrive pas très souvent. Voilà, dommage pour le holo 4, pas de mister payback. Remonter pas loin de la barre des 8000. Enfin, le chiffre 8 nous a fait un petit coucou vite fait, bien fait. Petit élan de résistance pour le chiffre 8, est-ce qu'il va résister longtemps? Et non, le chiffre 8, il a été vaincu par la machine à sous. Bon bah le round de free game, je sais pas si je dois continuer la partie ou lâcher l'affaire, mais là ça tarde un peu, pas moyen de revoir les 3 scatters. Je pousse un peu la partie, mais je pense qu'à 7000 balles, fixer une limite d'arrêt serait pas trop mal. Alors, 434 à cramer. Est-ce que le jeu va payer? Est-ce que ça va cramer les 400 balles? Je parierais plutôt pour la deuxième option.
que dalle, un petit spin chance à 50. Et on termine sur... deux scatters, deux petits leurres, donc machine à sous vainqueur, j'avais commencé à 9500, terminus à 7000, machine à sous vainqueur. Allez, close, on verra pour les prochaines.